Je voudrais surtout vous saluer et vous apprécier tous ces encouragements. En son nom donc ce matin, je me réjouis de prendre la parole dans le cadre de cette concertation nationale pour un engagement de haut niveau des ministres de l'Éducation nationale et de la Santé de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Mesdames et Messieurs, l'un des défis auxquels l'humanité a de tout temps été confrontée est de préparer les enfants et les jeunes à entrer à l'âge adulte. Au cœur de ces défis, l'éducation occupe une place centrale. Notre système éducatif ivoirien est depuis quelques années confronté au SIDA, aux IST et aux grossesses précoces. Ces contraintes de santé publique nous obligent à renforcer nos stratégies d'éducation en insistant particulièrement sur l'éducation sexuelle complexe. Dans ce cadre, nous nous réjouissons de la très bonne collaboration avec nos partenaires du système des Nations Unies, UNFP, ONU-SIDA, UNICEF, OMS et UNESCO, que je salue au passage. Pour notre part, nous nous sommes engagés à relever un défi qui, pour nous, est une occasion extraordinaire de briser la trajectoire de cette fléau. Cet engagement s'est traduit par la réorganisation de l'éducation dans la vie familiale et en matière de population. En marge de la lutte sociale contre les IST et le SIDA, nous avons lancé la campagne Zéro grossesse à l'école à travers un plan accéléré de réduction des grossesses à l'école qui s'est inspiré des principes directeurs internationaux de l'éducation sexuelle complexe. Nous avons également élaboré le programme national de l'éducation complète à la sexualité pour éducation à la santé et pour une vie saine au mois de septembre 2016. Cela montre notre engagement et celui du gouvernement en faveur de l'éducation sexuelle complète comme élément essentiel d'une éducation de qualité, dont le principal objectif est de doter les enfants et les jeunes d'une connaissance et des compétences et valeurs leur permettant de faire des choix responsables quant à leur relation sexuelle et sociale dans un monde affecté par le VIH/SIDA. Nos perspectives sont nombreuses, mais le système éducatif ne pourra relever les défis qui l'attendent sans l'éducation effective des communautés et surtout des parents élèves, des chefs traditionnels et religieux. Pour élargir et consolider l'accès des jeunes et des adolescents à l'éducation, à la santé et pour une saine qualité, il y a des services de santé sexuelle et reproductive et il y a des environnements d'apprentissage sains, sûrs et inclusifs. Il faut élaborer un plan sous-régional de lutte. Ce plan de lutte commun doit aboutir à un engagement de haut niveau des ministres de l'Éducation nationale et de la Santé de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à l'image des actions réalisées en Afrique postale et en Afrique du Sud. C'est pour finaliser ce document d'engagement de nos deux ministres de la Santé et de l'Éducation que nous nous retrouvons ce matin. Je voulais donc, en leur nom, vous souhaiter une bonne journée et une bonne séance de travail. Je vous remercie. Je déclare ouvert la cérémonie de concertation, la cérémonie de concertation nationale sur l'éducation complète à la sexualité pour engagement de haut niveau des ministres en charge de l'éducation, de la santé en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je vous remercie. Merci beaucoup.